Normalement, on mesure, c'est approximatif, mais normalement, c'est une quantité similaire de farine et de l'eau. Mais après, c'est Ça, c'est quelle farine? maïs blanc précuit. Famille des plus Les riches, les plus pauvres, tout le monde mange ça. Ok. Le matin pour le petit déjeuner, bon, Ok. donc voilà, c'est ça. On met une mesure similaire des farines et on mesure similaire avec un peu de sel. Pour mesurer. Il faut masser, on a dit ça. Quand on mélange, ça a la tendance à se durcir. Ah, on pourrait ajouter aussi des fromages, si ça te dit. Il y a du fromage dans le frigo, tu veux, je te donne. Oui. C'est un peu de l'eau. Pourquoi tu enregistres tout ça? Pourquoi tu enregistres tout ça? Pourquoi? Tu enregistres, pourquoi tu fais des... C'est les murs 3. Ok. Voilà, il y a Malik qui fait la arepas. Il est en train de masser là avec la technique spéciale. Il masse, il écrase pas trop parce que ça se colle dans les mains. Donc il faut trouver la bonne texture pour que ça ne se Ça va? colle pas. C'est excellent, c'est très rond, c'est Ah. une poudre de hâte. Voilà. La mêle, le poêle doit être pas trop chaude parce que ça brûle.
ni trop froid parce que ça ne fume pas. Et ça, c'est pour assou. Assou? Assou. Ça, c'est quoi, assou? Associel. Ah, ah Ça, c'est... c'est assou, Babacar. Ah, d'accord. Ils ont mis là dédié chacun. Et à Mohamed, attends. Ouais, d'accord. Bon, c'est un plat typique, caractéristique de l'Amérique latine. C'est une sorte de substitution des pains. Au lieu de manger des pains tout le temps, on mange des arepas presque tout le temps. Ça remplit assez, 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 assez. Et l'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas pratiquement de préservatifs ni rien de conservant, donc il fallait manger fraîche.